comme ça ce mois-ci, beaucoup trop de jeux, beaucoup trop de jeux, trop de jeux. T'es pas bien? Pourquoi? T'as pas de sous? Bah c'est vrai, t'en seras mal, c'est coûté les jeux. C'est ça, les amis. Voilà, c'est vrai, pas de sous. Au secours. Qu'est-ce que t'as encore acheté ce mois-ci? Non, non, ce mois-ci, cette année. Voilà, c'est la vidéo, puis fini la vidéo. Le jeu d'année, j'ai acheté l'année, bah, il y a le mois d'octobre, tout ça. Tous ces jeux-là, c'est octobre. Voilà. Petite promo aussi, celui-là aussi. Janvier, hein. J'ai racheté la PS4 de CryScore, cette réunion que j'avais fait aussi avant. Avant les boss, aussi, ouais, j'ai fait aussi. Ouais. Le promo était à 30 balles, voilà. Bon, après, tu fais la PS4, on a PS5 quand tu jouais, c'est le même jeu quasiment. Hein. Voilà. C'est rib. Il est assez choisi, mais sur CryScore, c'est difficile. Voilà, très bon jeu, mais excellent. Patine pas trop dur. Attention, je suis précise, hein. Ce qu'elle a déjà fait sur PSP évidemment avant, ou qu'elle a déjà fait avant, oui. Sinon, non, sinon c'est compliqué. C'est pas si que ça. C'est pas si facile que ça. Après, c'est pas aussi simple que ça, mais il faut le faire. Créer le score. Et trop bon. Bon, bah, voilà, ça vous avez déjà fait les vidéos aussi, j'ai fait, mais là, on est en février, fin de février 2024, déjà. Première version à Carrefour, première version à Carrefour Draw, première version normale qui est là. Et la version collector qui est là-dedans aussi. Ça c'est l'extension que j'ai après Amazon. Elle peut l'avoir commandé hein, parce que j'ai reçu après. Frisco, donc là on le fait là avant, hein, c'est le Rebirth, c'est l'une de l'année hein, pour moi. Ouais, même plus, c'est le Pathéose, il est excellent, voilà. Et puis ça c'est un bon, donc ça c'est acheté. Là le budget le mois de février-mars, j'ai tout fait. Celui-là. Tout ça en même temps, voilà, ça, là elle est pour 190, 60 balles, 150, puisque le OST existe aussi tu comptes. Après là, le Wii Book qui sortait après, voilà. J'ai douillé comme il faut. Oui j'ai douillé, c'est bon, j'ai du mal. Ouais, mais bon, FF Rigo, c'est la parole tous les jours. Là, le prochain, c'est dans 3 ans, 2007. Oui, dans le moment là. Voilà, c'est FF Rigo, c'est deux fois. Mais alors que ça, même Nagara, Patine, j'ai fait rejoindre, vous savez bien l'histoire, j'ai fait rejoindre Patine. J'ai une qui m'a pris 2 mois dessus. Mais bon, j'ai savouré mon jeu, voilà. Donc pour moi mon projet de neuf de l'année nouveau, hein. Deux fois en plus. Voilà. Pas d'expérience, en tout cas moi deux fois. Hein. Voilà. J'ai écrit Rebirth, les Sphere, c'est le jeu. C'est pour moi en tant que suite, donc oui, il écrase tout. Il écrase tout. Voilà. Allez là. Donc j'ai ouvert la vidéo, pas montrer ça, c'est ouvert, c'est fait. Allez hop, la suite. Allez hop. C'est fou, c'est. Mais là. Voilà, là, celui-là aussi, bah, c'est pareil, c'était un mois après, on a fin avril, c'était à la blade. Waouh, celui-là, c'est le masterclass aussi. Waouh, celui-là, wow, pareil, il m'a marqué. Oh, c'est violent. Mais c'est pas à voir que le fait, c'est un jeu violent, c'est un jeu, c'est un jeu coréen. Enfin, un coréen, c'est un jeu. Et c'est pire, il y a plein d'autres jeux, pas de. Je l'ai expliqué dans nos vidéos live, ça a expliqué tout ça. Personne ne veut Mekrai, Nioh, tout ce qui est le combat d'action, voilà, futuriste, gna. Mais pourtant il met sympa de trafic et j'adorais. Et j'irai pas l'avoir acheté Benelimon, j'irai pas acheter Next Year, c'est tout ce que vous voulez, un à l'autre. En tout cas, moi, en tant que même nouvel IP, c'est de l'année, vraiment, il déchire ça, c'est waouh, je suis obligé par comment c'est magnifique. Voilà, j'adorais, pareil, tout cela, j'ai patiné l'autre en juin, là j'ai fait avant, bon, tout ça, c'est un bête. À noter, c'est pareil, Carrefour, Open Day One, hein, tout ça, celui-là, c'est du Carrefour Day One. Vous avez les sous, parce que là, c'était un budget restreint pour les dépenses, j'ai lancé, mais là, mais c'est la bête, j'ai adoré. Excellent, sa race. Waouh, wow, qu'est-ce qu'il est bon! Qu'est-ce qu'il est bon! Oh putain, qu'est-ce qu'il est bon! Et pas seulement, c'est magnifique. Je conseille conseil. C'était la bête, nice. L'enchaîne les titres, voilà, c'est pareil, c'est tout ça, c'est jeux qui sont en même temps. Tous les périodes, là, celui-là, j'ai payé plusieurs fois, parce que j'ai pas souvent. En plus, le Unicorn Overlord, voilà, tout ça, c'est du Atlus, c'est du Vanillaware, Atlus, c'est que du bon, ça c'est des titres uniques en ce moment. Maintenant, il est coincé des côtés A, le lecteur que j'ai raté, mais tout ça, c'est en même temps que t'as pas de tunor, finalement. Hein, mais j'adore celui-là, c'est vraiment pareil, c'est du SOS qui est l'ancienne, des graphismes d'une beauté magnifique. Le jeu 2D, l'ancienne, c'est pour tout ce qui aime les consoles anciennes, hein, voilà, tous les vieux, hein, enfin les vieux comme moi et autres, pour les vieux, ça c'est pareil, c'est excellent. Venez voir René Mestre, il lit sur PS4, dans des mois, il y a PS5, un Switch, c'est tout, et Xbox, ouais, Xbox, tout ça, c'est mais c'est quand même venir voir, et c'est excellent. Et c'est sorti pas plus, c'est grave, c'est. C'est oui, c'est Unicorn Overlord, retenez mes titres. C'est un titre que pour vous en parler, pas beaucoup.
accompagner la voir. Pareil, c'est bien aussi dans le dernier. Regarde, tu ferais un top. Je ferais. Question, il ferait un top d'année avec le Mégoti, ben, pour la plein. C'est l'année des Gotti, il y a plein. Enfin, des jeux de l'année, il y en a plein. Les originaux, voilà. Allez hop, la suite. On peut le temps. Mais pourquoi, tous en même temps? Pourquoi cette année? Tous les jeux de cette année, tous. Edring, ouais, deux fois, parce que ça va sortir en 2022. J'ai fait hier deux fois. Là, c'est vraiment sorti récemment, sur le PS5 avec le DLC inclus. J'ai pareil, pour le Carrefour, 62 balles. Le DLC inclus, donc je compte aussi le DLC à petit prix, voilà. Et puis je l'ai refait avant le Gébron, donc avant le juin-juillet, ouais, j'ai fait dessus pendant un mois dessus quasiment. J'adore, il est excellent, c'est une monumentale, c'est œuvre, c'est magnifique, c'est quoi aussi pour tout le monde, c'est dingue, c'est magnifique. Voilà, je conseille, Edring, voilà, c'est pareil, c'est. On dirait que c'est pas de. C'est un DLC, mais quand même, un DLC, c'est une dinguerie comme. Pardon, le mot que j'essaie d'entendre voir, c'est que. Excellent. Non, excellent, c'est extraordinaire, magnifique, voilà. Et dingue, voilà. Vous l'achetez, voilà. C'est parce qu'il est là-bas. Voilà, allez hop, la suite. Voilà, on pourra sortir cette petite écharpe, ça. Et le PS5, hein, PS4, 9, un jeu PS4, 9. Oui, monsieur, ça existe. Oui, il y en a plein, là. Ben voilà. Sega Mega Drive, Sega Drive classique, voilà. Bon, j'ai acheté 20 balles sur eBay, voilà. Non, pardon, bon, enfin Amazon, 20 balles, 9. J'ai testé au départ. Pareil, tu sais, là, testé au Japon. 20 balles, 9, hein, je vais dire souvent avant le départ. Le petit jeu classique, il y a 50 jeux de jeux. J'ai un peu, un petit peu, voilà, c'est pas mal. C'est un jeu des jeux l'ancienne pour les vieux comme nous, hein. Mais voilà, c'est 20 balles. Voilà. Moi, j'ai pris, quoi, même. Donc, de toute façon, avec 4 plus. Voilà. Sega Mega Drive Collection. Voilà, tout en mix le voix à l'anglais, mais le jeu tout en français vous passe, mais bon, le jeu non, c'est pas le roi, c'est pas mal, c'est nickel, c'était la phrase non saisie, et après c'est, voilà, c'est nickel. La suite. Oui, celui-là à l'origine, il était sorti en février, à l'origine celui-là c'était en février, le Passage 3 Reload, c'était en février, et comme j'étais au DFF, j'ai pas assez, j'ai acheté ça en rentrant au Japon, oui, je suis rentré au Japon, là on a des dates, on est septembre. Il y a un promo à 30€, 9, 30 balles, 35€, 9. Alors que là, tu te dis, tu prends. Oh, parce que le DLC sortait, donc j'ai pris des prix en 30€, 9 et j'ai l'air sur l'affaire. Et ça vaut que les mères. Ouais, c'est bien. J'ai même fait ce jeu-là, j'ai même fait la version originale, ni PS2, ni PS2 ou autre. Persona 3 et l'autre, c'est une masterclass aussi, c'est très bien. Persona 3 et l'autre. Du coup, c'est. Là, ce promo, les prix, il y en a plus. J'ai pas fait la prendre, donc Persona. J'achèterai parce que en 30 secondes, donc celui-là c'était février. Voilà, non, début février, début. Allez, passe la 3 et l'autre. Achetez l'année, voilà. Ça, si, il va aller top. Ben voilà. Ouais, encore un truc, voilà. Ça, Pirate Is, je suis pas dedans. Voilà, c'est ça. Ben oui, Is. Is, c'est ça. Je suis pas dedans. C'est bon, j'ai acheté 3 et le Memorize. Mais celui-là, j'ai acheté en rentrant, pareil, 20 balles aussi. Avec quasiment en même temps que le personnel. 20 balles, c'est une édition sortie en 2020, sur européenne, parce que le Japon c'est arrivé avant. Et là, le problème, c'est que le jeu, il est que l'anglais, le texte. Hein. Tu peux aller le voir en japonais dans les jeux de soins, après. J'ai fini une semaine, j'ai fini en platiné en environ 3 semaines. Voilà. Is 4, c'est le remake du 4, Mark Wilson, sorti à l'époque, sauf enfin, là, c'est le 4. En coop, tu veux du jeu et tout, c'est nickel. C'est Is, et puis là, c'est. Waouh, Is, j'adore, tous ces Is sont excellents. Pour moi, c'est tous des jeux, des chefs-d'œuvre presque en tant que tel. Même si c'est des jeux rétro, anciens, anciens, avec des trucs anciens. On s'en fout, moi, je suis Is. Là, sur une vidéo collector Is. Quand je reçois le IS-10 européen d'ici quelques semaines, je ferai une vidéo en même temps, mais ça fera que j'ai reçu le nouveau. Et ça dans quelques jours en Europe, enfin en France, je sais pas quoi. Là, c'est pas juste du 4, c'est une chaise sur 2020. Là, en moyenne, le prix c'est 20 balles ouais, Amazon. Au-dessus, vous payez. C'est pas qu'elle est mal parce qu'elle n'est pas traduite. Par contre, trouvez-moi le 8 ou le 9. En passant PS4 ou PS5 à prix pas cher, je trouve plus, c'est fini, suite à computer, ouais. C'est ça, ils font des petits tirages, ils ne peuvent pas être reconnus en Europe. Non, c'est pas ça. Les petits tirages, ben voilà, ben, si tu n'as pas moins d'argent, ben, tu te fais avoir, j'ai la plus. Voilà. Memory Celesta, façon PS4, j'ai fait en plaisir, magnifique. Voilà. Un jeu excellent. Voilà, maintenant parce que c'est un jeu difficile. Et voilà, et pour finir, voilà. Le dernier achat du mois, on va dire pour l'instant, Métaphore des Rives Fantasio.
Voilà, le dernier, la création de Sulatus, le créateur de Persona, enfin, tout, enfin le 3-4, quoi, ça quoi, tous les récents, sur PS, ouais, je c'est la solide ou c'est les. Voilà. Et je peux dire, je suis dessus depuis quelques jours, waouh, c'est nul, là, je regrette plein de choses, mais le cutter, il est épuisé partout, là, le cutter, 50 euros, que j'avais acheté, ben, il n'y a plus, hein. Mais celui-là, donc, j'ai acheté sur Amazon, 59 euros. Pas mal, déjà tout à faire, c'est là-bas, c'est une tuerie, une aigrée aussi. Voilà, c'est comme dirait tous les jeux sont bien parce que FF, le Rebirth, c'était bien aussi, mais comme c'est une suite d'un jeu ancien, enfin des premiers jeux remake de nouveau, là c'est pas vraiment une sorte. Là, c'est des jeux, bon après, c'est les bases, c'est pas ça, parce que, mais il y a de nouvelles idées, de bases différentes, c'est pareil, mais c'est du bon, c'est du bon, c'est que du bon, c'est du bon, excellent, c'est voilà. Et là, je peux vous dire, je suis même pas déjà le jeu, si déjà le jeu, je fais la SMU, c'est fini. Voilà, c'est très bon, c'est très bon, c'est pas samorphe ou métaphore façon là, parce qu'il est même en enfin fini, voilà, tu vois, je peux dire c'est les bons, il y a la des choix des finances, je peux dire finances, c'est pas fini, c'est fini, t'as eu encore 4 heures, hein. Enfin encore, ouais, mais c'est pas grave, voilà, bientôt, on va être déçu, très bon jeu, vous allez, c'est pas ce que c'est bien, mais va mieux que passer la 5, qui débarque haut, hein, déjà, à l'époque. Allez, merci, à bientôt. Ciao, ciao. À la suite. Oui, mais qu'est-ce que j'ai acheté comme jeu cette année? Qu'est-ce que t'as acheté comme jeu cette année? Qu'est-ce que j'ai acheté cette année comme jeu? D'occasion. Bah oui, bah c'est le 9, j'ai déjà fait. Là, c'est de l'occasion. Voilà. Voilà. Il y a du PS4, du Switch et du PS5. Voilà. C'est de l'année. Donc, enfin, j'ai acheté, je sais pas, de l'or aussi, tout récemment, mais il est plus récent. Mais bah, c'est simple, le plus récent, c'est celui-là. J'ai acheté. Bah, on l'a refait, non, non. IS 3, mémoire Formula. Voilà, sans japonaise. C'est tout japon, ouais. C'est des œufs, donc c'est tout japon. Il est pas plus frais. C'est japon, 3280 yens, c'est-à-dire 20 balles, même pas, moins sous, pas beaucoup moins. Enfin, d'occasion, voilà, je l'ai fait, j'ai fini il y a quelques jours, hein. Enfin, quelques semaines. J'ai fini. Il est très très bien, j'ai pas qu'à finir à fond, parce que c'est pas le temps. Si. On doit faire le nez, c'est il déchire ça. Ah, is, voilà. C'est bien être en occasion, voilà. C'est tout. Ah, on y est. Voilà. Oui, mais qu'est-ce que j'ai acheté comme jeu cette année? Qu'est-ce que t'as acheté comme jeu cette année? Qu'est-ce que j'ai acheté cette année comme jeu? D'occasion. Bah oui, bah c'est le 9, j'ai déjà fait. Là, c'est de l'occasion. Voilà. Voilà. Il y a du PS4, du Switch. Et du PS5, voilà, c'est de l'année. Donc, enfin, j'ai acheté, je sais pas, de l'or aussi, tout récemment, mais il est plus récent. Mais ben, c'est simple, le plus récent, c'est celui-là. Voilà, j'ai acheté. Bah, on l'a refait, non, c'est trop bien. IS 3, mémoire Formula. Voilà, sans japonaise. C'est tout japon, ouais, c'est des œufs, donc c'est tout japon. Il est pas plus frais. C'est japon, 3280 yens, c'est-à-dire 20 balles, même pas, moins sous, pas beaucoup moins. Enfin, d'occasion, voilà, j'ai fini il y a quelques jours, hein. Enfin, quelques semaines, j'ai fini. Il est très très bien, j'ai pas qu'à finir à fond, parce que c'est pas le temps. Si, on doit faire. On doit faire, le nez, il déchire ça. Ah, voilà. C'est bien être en occasion, voilà. C'est tout. Ah, on y est. Voilà. Il est acheté encore ce jeu. Qu'est-ce qu'il y a encore acheté ce... Voilà. Ouais, j'ai envie de ce jabon aussi, à ce jabon celui-là. Le Kingdom Hearts Memories of Melody. Ouais, Melody of Melody. Vous connaissez, c'est Melody, ce jabon. 2500 yens d'occasion, sur un book-off, tout ça, pas trop cher. C'est... Là, je leur fais plaisir. C'est le Kingdom Hearts. Mais me le dit, les jeux que je valais, bravo, parce que c'est là-dessus quand même, alors c'est dit, c'est le masque, et puis voilà, je fais le masque sur la version, je vais mettre aussi. Voilà. C'est le seul qui est en boîte, hein. Moi, le seul, les autres qui sont en boîte en PS4, les tous les kinemas, sauf celui-là. Celui-là qui existe, mais pas les autres, c'est qu'on démarre, c'est quand on démarre et quand on swing. Donc là, c'est sans boîte. C'est ce qui rentre en boîte, il fait 2 gigas. Allez, merci. Voilà, un autre jeu d'achat, tout récemment, c'est quelques semaines, Micromania pour 40 euros, je pense. Le Amateur 6 Fire of Rubicon, l'anti-édition, voilà. Ça,
j'ai pas encore 1000 consoles, parce que je fais un giga, peut-être j'ai fait, mais pas mal. J'ai 40 euros, je pense que c'est un peu cher, mais bon, ça va, c'est pas plus la ruine, mais voilà. Pas ça du tout, hein. Un jeu de Bandai, mais non, un jeu de France Affaires était pas Bandai, bien sûr. Je dis bien, c'est France Affaires qui fait ce jeu, pas les mêmes boîtes qui fait. Enfin, si, les boîtes qui fait les Edling, mais ça, tout ça. Voilà. Un mode core 6, Fire of Rubicon. Ils sont PS5 aussi, vous voyez. Voilà. Ces petits jeux sympathiques. Mettez sur la chaîne, on l'a bientôt, si possible. Ouais. Je vais essayer ça. Tout de suite. Un mode core. 40 euros. Alors celui-là, je ne m'attendais pas du tout. Batman Collection, Batman PS4. PS4, bien sûr, c'était 20 euros. 19 euros à croyer aussi, en même temps que la mode core. Parce que celui-là, ces versions en boîte, hein, tous les jeux dedans, enfin presque, c'est juste le 1 et 2, c'est-à-dire Arkham Asylum et Arkham City. J'ai pas fait depuis l'époque PS3, qui date de 2007-2009 sur PS3. J'ai pas fait j'ai fait le patine, mais ça m'a aidé à le faire, mais à l'époque j'ai pas joué aux jeux historiquement. J'ai pas envie de le refaire. Vous dire quand? Non, je sais pas actuellement, c'est un jeu à retard qui a envie de faire pour être une nouveauté. Donc Batman, j'ai envie de le refaire, mais pas maintenant. Mais ça sera fait. Batman Collection. Voilà. Et là c'est bien sûr physique, hein. Donc t'as un code pour le Night, j'ai déjà en boîte de l'époque, j'ai pas fait plein. Je pourrais faire un et trois, la faire en PS5, pour plaisir, pas patine, mais j'ai pas fait le Batman Arkham Knight depuis 2017. Presque, ça sortit en 2008 et 2009, et après le 2007 c'était la Night en 2015, donc ça fait longtemps, très longtemps, très longtemps. Voilà. Bah Arkham Collection 20 balles. Moyen. Voilà. Joli. Vous voyez aussi ça? Nice. Batman. Batou. Qu'est-ce que tu as dit encore dans la question? Bah oui, encore nouveau jeu. Ça c'est récemment aussi. J'ai payé moins cher parce que j'ai un bon achat à Foya. 29 euros. Le Lies of P, morceau de Pinocchio. Lies of Pinocchio, bien sûr. Ce qui est pas un nouveau jeu, c'est le jeu sorti en septembre 2023. Donc j'ai passé à l'époque, bien sûr. Il y a longtemps, enfin, pas acheté. Et là, je viens de le refaire parce que là, j'ai commencé la semaine, quoi. Mais là, c'est un jeu d'ambiance à la Bloodborne, à la Frostfire type de game, même sur le like, vraiment difficile. Mais voilà, j'ai acheté et joué, il est vraiment pas mal. C'est le seul jeu PS5, j'ai deux jeux de trois PS5. Mais voilà, il est vraiment pas mal aussi. Donc voilà. Un petit jeu. En plus, c'est pas studio coréen. Ce qui est pas. Et vraiment, un petit studio, on va dire comme ça, c'est vraiment pas mal. Bon, c'est inspiration de deux jeux, mais c'est bien aussi. Voilà. C'est d'accord. F. C'est la Zepi PS5, voilà, sur le horizon. Et au moins en moyenne c'est 30 euros en moyenne pour l'instant en case, quand même peu cher, parce que vous avez sorti il y a un an et demi quand même, c'est dommage. Donc voilà. Mais bon, après le jeu est bien quand même. Voilà, c'est la Zepi. Voilà. On y est. Nice. Après ce jeu-là. Voilà. La Zepi. Au revoir. C'est tout, vous avez la question cette année. Bon, presque. Mais qu'est-ce qu'il a encore sur cette fois-ci? Le Eastern Nordics, c'est façon édition européenne. Qu'est-ce que t'as encore acheté ce mois-ci? Non, cette fois-ci, cette année. Voilà, c'est la vidéo, plus finie la vidéo. Le jeu de l'année, j'ai acheté l'année, bah, il y a le mois d'octobre, tout ça. Tous ces jeux-là, c'est l'octobre. Voilà. Je fais le calcul de combien ça coûte tout ça environ. Hein. Alors, début octobre, c'était le Sparking Zero, sorti à 62 euros Carrefour. Hein. Mais très bien, je ne dis pas. Le Métaphore et Fantasio avec la pétition, je suis bloqué un peu le jeu. Il tapait sur le côté d'ailleurs. Le Eastern Nordics, sorti en octobre, 25 octobre aussi, voilà. 169 euros. Ça, ce homologue Switch que j'ai commencé aussi, on fait, à 170, pas ça, 50 euros. Amazon, ouais. Voilà, pareil, il est nulle part. Ce jeu-là, je l'ai facilement. Plus ou moins. Voilà, bah, quoi ça va courir, pas savoir retrouver. Hein. Parce que c'est des jeux pas édités à grand exemplaire, parce que c'est des jeux plus ou moins rares. Donc là, donc pas si bon au magasin. Voilà. Et puis finir avec le 72, que j'ai commandé d'abord en version. D'abord, j'ai commandé Amazon, début octobre, et puis il n'y avait pas.
Il n'y avait pas, le Beat 12, à la nouvelle, il n'y avait pas. Et puis après, j'ai demandé à Micromania et à Fnac, et puis Micromania, il l'a reçu. Voilà, tous les Fnac, il n'avait pas reçu. Mais maintenant, il n'en a encore plus, ou il n'en a encore plus, mais il n'a plus au prix normal, 9 euros. Voilà, c'était tous mes achats en jeu cette année. Voilà. Là, il est lourd, hein. Je vous montre la vidéo, et j'en ai fait vite fait. Toute vidéo après, ça ne bougeait pas. Voilà, les questions d'année, ben là, c'est tous les jeux. Voilà, tous les jeux que j'ai achetés cette année en 9 et occasion, PS5. Un peu de jeux Switch et quelques jeux PS4. Voilà. Tous les, je ne l'espère pas rien oublier. Peut-être que si, mais on se pense pas. Mais bon. Voilà, c'est tout ça. Tout ce lot, vous voyez là. Voilà. Et j'ai calculé. Voilà, grosso modo, il est là pour 950 euros. Environ 950 euros. 950 euros de jeu. 950 balles. Ouais, 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 tout ça. Bien sûr, c'est un gros, c'est une grosse dépense. C'est énorme. C'est alors, je crois que j'ai oublié. Si, j'ai oublié. De la chambre, c'est le Crisis Core PS4. Ouais, qui sont tous les aussi. Ouais. Voilà, en continuant. La vidéo, j'ai commenté, j'ai monté après la vidéo, direct, c'est pas traîné. Voilà. Enfin, vite fait, vite fait. Il était là, mais il est occupé parce que la batterie était pas chargée depuis maintenant. Heureusement, j'ai la batterie en stock. Donc, recommençons. Pour qu'est-ce que c'est cette année comme vidéo? Une année de janvier 2024 jusqu'à novembre 2024. On recommence. Tous les jeux sont là. Il y a au moins 15 jeux. Plus de 950 euros, on va dire en grosso modo, j'ai calculé les jeux neufs, occasion bien sûr, au Japon. Alors, montrer d'abord les jeux comme ça dans le lot, vite fait, j'ai montré tout à l'heure. Alors, le Kill Mars, j'ai sur le Japon, on est vite fait, le East 10, ça, voilà, européen, voilà. Les jeux vite. Le PS4, il y a le Jurassic 9 et celui-là, Jurassic 40 euros, je pense, voilà. 20 euros le Celesta, les deux Resident Evil en francs européen, il reste là. Que je vais refaire bientôt, donc PS4, enfin PS4 Cross et PS5 Collection, voilà, c'est tout, voilà, pour 20 balles. Bon, c'est des jeux pour rétro, enfin rétro, mais c'est ancienne génération. Et voici tout ce qui est PS5 dans le lot, ouais, je vais faire vite fait, c'est possible, allez, vite fait, parce que j'ai pas trop de temps, bien sûr. J'ai le temps là. Et hop, il y a le fameux FF Rebirth, de version européenne, version collector et version normale, voilà, ça c'est fait. Après, tu as le Nicole Overlord, le Sterablet, le Dying avec DLC. Ah si, j'ai bien, voilà. J'ai oublié celui-là. Voilà, j'ai oublié le Sega Collection, voilà. J'ai acheté aussi, pas mal. Bon, après, c'est bon. Voilà, photo après. Sega Collection, j'ai trouvé ici. Sega Collection, j'ai retrouvé, là. Voilà, c'est tout, ça, c'est là, PS4. Oh non, enfin, et là, c'est le... Mais pas commencé du tout, à Balcor 6, voilà. Après c'est ah ouais, c'est la rentrée pour le Japon, voilà. Ah là, il y a le Japon, il y a pas ici, j'ai pas l'esprit, c'est... Alors ça c'est derrière, donc je compte pas. Il faut enlever l'is, c'était là avant. Par contre, faut compter le is, non pas non plus, le ballon non plus. Et, voilà, c'est celui-là, voilà. Il y a l'is japonais, le 3, le Mémoire au Fogana. C'est le Japon qui est sorti, c'était avant, mais c'est le Japon, donc c'est août. Ça c'était, voilà. Après c'est septembre, et pas sur Reload. Après c'est le Pi, voilà. J'ai sur le cadre aussi. Et voici les 4 derniers jeux PS5 de l'année. La sortie de le IS 10, Nordic, c'est le métaphore, enfin déjà, et les parties. Voilà. Voici tous les achats de l'année en jeu pour 950 francs. Je reviens dans le salon plutôt. Voilà, c'est tout, vous voyez pas? Voilà. Tout est là. Ah, c'est ça. Et mais que pour le jeu Switch qui m'a. Là, je suis plus, j'ai quelque chose de Switch, il y a tout ça. Il y a le quoi faire, voilà. C'est tout? Allez. Voilà, je ne vais pas voir la prochaine, je n'ai pas voulu jouer à la prochaine. L'année prochaine, c'est sûr. Voilà. Les deux folies, de folie. Folie, j'ai pas besoin de faire. Allez, au revoir. Ciao, merci, ciao. À la prochaine.